Allô tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait une vidéo je dirais pas sentimentale, mais plus entre vous et moi, plus des trucs que maintenant, avec le recul que j'ai, je suis capable de dire. Donc aujourd'hui, on va parler de choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer à enseigner. Puis là, je vais pas dire des choses techniques par rapport au bac ou par rapport aux cours que j'avais à l'université ou par rapport aux technicalités de l'enseignement, mais plus des choses, je me dis aujourd'hui, hey, j'ai tellement mis d'efforts dans ça, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise, sais-tu quoi Jason, c'est correct ça, t'as pas besoin de faire ça. Donc ça va être ça le sujet de la vidéo aujourd'hui. 10 choses. Première chose, que ma classe avait pas besoin d'être parfaite. Moi j'ai compris ça rapidement, en fait j'ai été forcé de comprendre ça rapidement parce qu'en stage je mettais beaucoup d'efforts dans les décors, rendre ça beau ma classe. Tu sais, je m'imaginais tous mes coins de lecture, puis je voyais des choses sur Instagram, tout ça, qui me faisait capoter. Puis finalement la réalité du travail est rentrée assez rapidement. Pour vous mettre en contexte, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez reculer dans mes premiers vlogs, vous allez savoir de quoi je parle. Moi, j'ai signé mon poste en sortant du bac dans une école neuve au centre de service scolaire des Samors. J'étais super heureux. Je rentre dans ma classe, l'école n'était pas finie d'être construite au moment de la rentrée. C'est correct, il y a des retards, on le savait en signant. Mais j'avais pas de meubles. J'ai reçu des tables de plastique pour le début de l'année scolaire jusqu'au mois d'octobre. Je recevais mes meubles au compte-gouttes en classe. Fait que, rapidement, j'ai compris que comme c'est pas grave si ma classe est pas parfaite, mes élèves vont aimer ça être là pareil. Donc c'est pas important que la classe soit parfaite ou non, tant qu'elle est fonctionnelle, puis j'en parle beaucoup dans des articles sur le blog, ça va. Deuxième chose, t'as pas besoin de tout afficher en début d'année. J'avais beaucoup d'affichages par rapport aux classes de mots, aux nombres, règles de classe, gestion de classe, j'avais des affichages à plus finir, mais j'ai fait l'erreur en début de carrière de tout afficher dès le départ. Puis, ben ça marchait pas parce que les élèves avaient accès à des informations qu'ils n'avaient pas de besoin. Ça crée une classe surchargée. Donc, t'as pas besoin de tout afficher en début d'année. Puis même, c'est mieux pas. Sors à fur et à mesure les choses que t'as de besoin. Première des choses, que les élèves ont de besoin. Puis, qui sont expliquées. Pas juste tout affiché. Puis qu'après ça, l'élève se sente envahi par tout l'affichage. Imagine que tu rentres dans une pièce et toutes tes affiches sont déjà mises un peu partout autour de toi. Tu sauras pas où donner de la tête. Puis tu sauras pas ce que ça veut dire nécessairement tout ce qui est affiché là. Troisième chose que j'aurais aimé savoir. Changer l'affichage en cours d'année. Fait que là, première chose, pas tout affiché. Puis deuxième chose, le changer en cours d'année. Moi, j'affichais, puis après ça, je laissais ça là, même si on n'avait plus de besoin. Puis, ben, en m'informant, en lisant sur la recherche, en lisant d'autres profs orthopédagogues qui partagent, ben, j'ai su que finalement, l'affichage, un, change-le, à fur et à mesure que les élèves n'ont plus de besoin. Puis deux, peut-être, change-le de place, parce que plus que l'affichage reste longtemps au mur, plus que les élèves pas la chance, mais risque d'oublier que ça existe puis de plus le voir. Tu sais, imagine chez vous qu'il y a peut-être un cadre quelque part qui est affiché, une décoration sur une table, que maintenant tu le remarques même plus parce que tu rentres chez vous, tu es tellement habitué que tu le vois plus cet objet-là. Tu le vois encore. Mais ce qu'on pense que je veux dire, c'est que psychologiquement, tu le vois plus cet objet-là parce que tu es rendu habitué à ce qu'il soit là. Quatrième chose que j'aurais aimé ça savoir, t'es pas obligé de tout ramasser, de tout corriger. Quand j'ai commencé, on avait des cahiers d'activité en français. Puis, j'ai fait l'erreur de vouloir tout ramasser, tout corriger. J'avais besoin de contrôle sur ça. Puis, rapidement, ma tâche est devenue trop lourde, trop intense. J'ai pris du retard. Puis, dans le fond, à quoi ça me servait de corriger? Pas grand-chose. J'ai fini par comprendre à un moment donné que de cibler des choses que je voulais corriger, c'était beaucoup plus payant et productif que de vouloir tout ramasser, tout corriger. Rendu là, j'étais rendu submergé, c'était trop pour moi. Puis ma correction, au final, je la botchais à certains bouts parce que c'était juste trop. Cinquième chose que j'aurais aimé savoir, et ça, c'est ma chose préférée dans toute ma liste, mais une de mes choses préférées, en fait, j'aime tout ce que j'ai écrit, mais ça, c'est une de mes choses sur le top, c'est que chaque élève mérite un nouveau départ à la rentrée. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que on le sait comment ça fonctionne dans les écoles, en tout cas, moi, dans mes écoles, c'était comme ça. On formait des groupes pour l'année d'après en fonction de ce qu'on connaissait des enseignants du niveau supérieur. Puis la direction venait avec nous autres pour rassembler les groupes, puis mettre son grain de sel, son jugement aussi dans tout ça. Puis, ben, quand on faisait la passation des groupes en rentrée, ben, on prenait le temps avec les collègues du niveau supérieur pour leur jaser de comment c'était l'année passée, l'élève, faire son portrait, etc. Puis, j'ai réalisé à ma troisième année d'enseignement que ce portrait-là était pertinent par moment, mais très souvent ne l'était pas parce que l'élève réagissait différemment selon l'enseignant qui était devant lui.
Puis, à chaque année, quand j'avais des portraits de certains élèves très dérangeants, très bruyants, très perturbateurs, ben, rendu dans ma classe, c'est sûr qu'ils étaient perturbateurs par moment, mais pas au niveau du portrait qui était montré. Puis moi, j'ai commencé l'année en me disant, je vais commencer l'année sans penser à ça, je vais laisser la chance à l'élève de se montrer à moi comment qu'il l'est en classe. Puis, je pense que les élèves le sentaient ça, que je leur donnais une chance de recommencer à nouveau. Puis très souvent, ça allait beaucoup mieux dans le reste de l'année de cette façon-là, parce que je me basais pas sur l'opinion d'une autre personne pour faire mon opinion sur l'élève. Fait que je pense que ça, vraiment, c'est important de se le rappeler, que chaque élève mérite un nouveau départ dès la rentrée. Puis après ça, tu feras ton jugement en fonction de ce que la personne de l'année d'avant te dit, puis de ce que tu observes dans ta classe cette année. Sixième chose que j'aurais aimé ça savoir, c'est que, puis je le dis dans toutes mes formations que je donne, vaut mieux demander que espérer. Ce que je veux dire par là, c'est que t'es mieux de demander à ta direction de l'argent pour un projet spécial, demander des services, demander de l'aide, demander de l'information, demander de se faire rembourser un congrès, que d'espérer que ça vienne. Parce que très souvent, ben je me suis fait dire oui plus souvent que non. Fait que c'est bien mieux de demander, puis au pire c'est quoi? Soit de faire dire non, ok. Mais rendu là, t'es mieux de demander, de te faire dire oui, puis d'avoir soit un poids qui s'enlève de tes épaules, ou d'avoir un remboursement, ou d'avoir la formation que t'as toujours voulu aller. Fait que vaut mieux demander qu'espérer que ça arrive. Septième chose que j'aurais aimé ça savoir, les parents, c'est des alliés. Puis on a chacun notre rôle à jouer dans l'éducation et l'enseignement des élèves, des enfants qui sont devant nous. Peut-être que par mauvaise expérience, on prend des mauvais plis face aux parents, mais les parents sont des alliés, sont là parce qu'ils veulent le mieux pour leurs enfants, puis nous autres aussi, c'est ce qu'on veut, le mieux pour leurs enfants. Je dis pas que certains parents sont pas difficiles ou plus dérangeants ou envahissants. Rendu là, moi en début d'année, peut-être que je pourrais faire une autre vidéo sur ça aussi, mais en début d'année, je mettais les limites et les paramètres clairs pour les parents, sur mon rôle, sur mes attentes envers eux, puis je leur demandais la même chose en échange, puis ça permettait de construire une belle relation qui nous permettait de s'entraider dans le fond, pour le besoin de l'enfant devant nous. Puis c'est sûr qu'on avait des réajustements à faire en cours d'année. Mais les parents, c'est des alliés, c'est pas des ennemis, c'est pas des gens qu'il faut avoir peur d'eux autres. Peut-être qu'eux-mêmes ont peur de nous parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience à l'école. Bref, les parents sont des alliés. Puis un sujet qui m'a intéressé beaucoup dans la dernière année, c'est tout ce qui est par rapport à la coéducation. Puis je pense qu'on est très gagnant de s'intéresser à ça, d'en apprendre beaucoup plus sur la coéducation. Huitième chose que j'aurais aimé savoir, t'es pas obligé de faire comme les autres. Quand on est nouveau dans une école, on arrive, puis par besoin de survie, je vais dire comme ça, on prend ce que les autres nous donnent comme information, matériel, bref, tout ce que ça vient en début d'année quand on est nouveau. Puis j'ai appris finalement que j'étais pas obligé de faire comme eux. Tant que je respectais ce qu'on appelle les normes et modalités de mon niveau, ben j'étais pas obligé de faire comme eux, puis je pouvais faire différemment tant que mes élèves avançaient, j'atteignais les objectifs d'apprentissage, d'évaluation de l'école, puis que ce que je faisais avait de l'allure, ben j'étais pas obligé de faire comme tous les autres. Puis c'est-tu quoi? C'était même mieux pour moi parce que c'était pas nécessairement toujours en lien avec mes valeurs pédagogiques, ce que j'avais à faire dans ma classe. Puis c'était pas ce que moi je faisais, c'était pas nécessairement en lien avec mes collègues. Mais tant qu'on s'entendait, qu'on était clair sur ça, on n'était pas obligé de faire à ce que tout le monde soit pareil, mais que tout le monde avance dans le même sens vers un objectif commun. Ça, par contre, ça fonctionne. Puis si on fait ça un peu différemment chacun de notre bord, ben c'est tant mieux parce que les élèves sont gagnants parce qu'on fait quelque chose qui est en lien avec nous, avec nos valeurs pédagogiques, puis dans lequel on se sent à l'aise. Neuvième chose que j'aurais aimé ça savoir, c'est que la direction, c'est une alliée. Un allié. On le sait ça, mais on dirait que des fois on rentre dans certains milieux, puis encore une fois il y a des idées préconçues, des opinions sur les directions. Puis on est influencé par nos collègues d'avoir une certaine opinion sur les directions parce que c'est nos patrons au final. Puis ils représentent les cadres, l'organisation, le centre de service scolaire, le gouvernement au final. Puis dans toutes les écoles où j'ai été, oui, j'avais peut-être été différent avec certaines directions, mais ça reste que la direction était une alliée importante dans l'école, en qui on peut avoir confiance parce qu'elle aussi, son rôle, c'est que ça aille le mieux possible pour vous et pour les élèves. Puis, ben, la direction est pas là pour vous nuire. Puis de prendre le temps de s'intéresser à la personne, d'apprendre à la connaître, de créer des liens, mais c'est comme avec les élèves. On est juste gagnant de ça. Puis après ça, on peut se créer une belle relation de travail entre nous, dans laquelle chacun a son rôle, puis chacun peut y mettre du sien pour qu'on arrive au final à l'objectif du meilleur pour les élèves. Et la dernière et dixième chose que j'aurais aimé ça savoir avant que je commence à enseigner, c'est que je suis plus que juste un enseignant. On est formé au bac en enseignement primaire, en éducation préscolaire, enseignement secondaire, selon sa discipline. On est vraiment formé, c'est quasiment une technique de cégep tellement qu'on est formé
drillée à devenir enseignant-enseignante, mais dans le fond, tout ce bagage-là, universitaire, nous sert pour beaucoup plus que juste être enseignant, puis que si finalement on réalise que d'enseigner, c'est pas fait pour nous, ben notre bagage universitaire, notre expérience, nos connaissances qu'on a, sont très importantes pour plusieurs autres domaines. C'est pas parce que je suis formé en enseignement que je suis obligé de rester en enseignement, puis je peux faire plein d'autres choses sur le marché du travail. Il suffit de s'intéresser un peu, d'essayer de poser sa candidature sur des postes qu'on penserait peut-être pas avoir, puis par notre bagage, par nos connaissances, par nos compétences, ben on finit par montrer qu'on peut être plus que juste des enseignants. Donc ça, c'est un résumé des 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer à enseigner, puis qu'aujourd'hui, en étant plus dans le réseau de l'enseignement, en étant plus enseignant dans une classe, puis avec l'expérience aussi, courte expérience que j'ai eue, mais avec l'expérience que j'ai eue comme enseignant, ben aujourd'hui avec le recul, je peux me dire, ben j'aurais aimé ça savoir ces 10 choses-là avant de commencer, puis je pense que de vous le partager, que vous soyez d'accord ou pas avec les points que j'ai énoncés, ça peut être gagnant pour tout le monde. Fait que si t'as aimé la vidéo, mets-moi un j'aime, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire en dessous de la vidéo, partage tes impressions par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui. On se voit une prochaine fois dans une autre vidéo. Bye tout le monde! Mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi pour rien manquer? Abonne-toi s'il vous plaît! S'il vous plaît, laissez pas moi continuer à vous dire ça parce que je vais me trouver vraiment fatiguant.